Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour un nouveau numéro de Téléachat 3000. Alors aujourd'hui, messieurs, dames, je suis déjà très heureux de vous retrouver en ce beau mois de juillet 2783, déjà ça passe vite, hein, pour un nouveau numéro où je vais vous présenter des objets qui vont révolutionner votre quotidien. Le premier objet, messieurs, dames, je vous le présente tout de suite, je l'ai là. Le voici. Impressionnant, hein. Ceci, messieurs, dames, est le plus petit téléphone portable du monde. Alors, vous voyez, esthétiquement, c'est un téléphone portable tout à fait normal, avec un clavier, un écran, tout ça. Donc, pour téléphoner, c'est pareil, on compose le numéro, comme ça. C'est un clavier AZERTY, donc ça va. Voilà, on téléphone, oui, bonjour, monsieur. Ah, merde. Allô, ouais, non, excuse-moi, non, je voulais pas t'appeler. Non, ben, je te rappelle, je... Okay. Merde. Passons tout de suite au deuxième article. Le deuxième article, messieurs, dames, je l'ai là sur moi, voilà, c'est une paire de lunettes. Alors vous allez me dire, une paire de lunettes, on connaît déjà, mais non, c'est une paire de lunettes exceptionnelle, puisque grâce à cette paire de lunettes, vous allez pouvoir entendre ce que les gens pensent de vous. Voilà, donc je vais vous faire une démonstration, je vais dire en direct ce que j'entends dans les pensées des gens. Je vais essayer avec le monsieur, là, par exemple, voilà. Donc je vous dis, là, je vois, ah, ah là là, quel talent, quel talent, qu'est-ce qu'il a comme talent cet Artus. Voilà, je vous le dis, je passe au monsieur suivant. C'est qui, Artus? D'accord. Voyons avec madame. Ah. Ah, si, ça marche. Ouais, c'est... Ah, non. Ah, si, ça y est, je reçois. Ouais. Bon, Catherine. Moi passe au monsieur. Ah là là, qu'est-ce qu'il est drôle. Qu'est-ce qu'il... Je me lasse pas de le regarder. Il était vraiment bien, ce sketch de Florent Père sur les handicapés. Ok, très bien, donc vous voyez, c'est la preuve que ça marche, hein, c'est la preuve que cet article marche. Et messieurs, dames, vous pouvez acquérir cet article pour la maudite somme de 45 bougnacs. C'est rien, entre nous, c'est cadeau, non? Enfin, pour ceux qui ne sont pas à la page, pour les anciennes générations, ça fait à peu près 393 bignoufs. Pour vous voyez un petit peu. Je vais vous présenter maintenant le troisième objet de ce soir. Alors c'est un objet exceptionnel aussi, on a la chance de l'avoir en exclusivité sur ce plateau. J'ai l'honneur, messieurs, dames, de vous présenter la voiture invisible. Merde, je l'ai garée où, du coup? Ah, elle est là, voilà, elle est là. Alors, là, le modèle d'exposition est bleu, mais il existe en 6 coloris. Hein. Excusez-moi. Oui, je te rappelle, je t'ai dit. Oui, mais n'insiste pas. Hein. Et messieurs, dames, pour l'achat de cette voiture, en plus, vous allez recevoir un cadeau exceptionnel, un sapin sans bon à accrocher à votre rétroviseur. Alors, ce n'est pas n'importe quel sapin sans bon, parce que c'est l'évolution du sapin sans bon, puisqu'il sent bon. C'est quand même assez rare. La prochaine technique, messieurs, ce n'est pas vraiment un article, c'est surtout une technique qui va vous permettre de faire des économies chez vous. Voilà. Par exemple, économie d'électricité, à l'époque, on s'essuyait les mains comme ça, hein, on est d'accord, ensuite on s'essuyait les mains comme ça, ensuite on a eu le droit à ça. Pour économiser de l'énergie, maintenant, essuyez-vous les mains comme ça. Et vous verrez, les économies sont assez impressionnantes. Je vais vous montrer maintenant le dernier article, messieurs, dames, on en a tous rêvé. Ça y est, nous l'avons en exclusivité, le premier téléporteur. Voilà. Alors, je vais vous faire une démonstration, je vais me oui, je sais, vous dites, c'est un charlatan, je vais vous montrer, je vais me téléporter en haut de l'escalier, devant vos yeux, c'est pas. Allumage du téléporteur. Le fond, hein. Quel escroc. Ah, j'en ai vu des charlatans à la télévision, mais dès comme lui peut. Artus, on va vous noter. On n'était pas vraiment au cœur de l'innovation à Laval. Mais en tout cas, sur notre plateau, on a été au cœur de l'escroquerie, hein. Oui, mais... Voici votre quatuor de notes. Jean-Ben Guigui commence par un... 15. Catherine Barma, 13. Fabrice, 19. Oh là. Alors là, vous m'épatez, vous allez m'expliquer, moi. 14, bon, voilà. Ça valait ça. 19. Oui. Vous êtes tombé sur la tête, mon cher Pas Fabrice. Pas du tout, et j'assume. Parce que je trouve qu'il y a une grande invention là-dedans, c'est complètement farfelu,
C'est, là encore une fois, surréaliste, et moi j'adore ça. Il fallait les trouver, ces objets, qui étaient complètement aberrants, etc. En plus, je trouve qu'il l'a très bien joué, et ça passait très très bien. Moi, j'ai ri, et je mets 19, et je n'en démordrai pas. Alors là, Artus, vous-même, vous n'en revenez pas, non ? Si, si, c'est normal. Non mais Laurent, il y a des moments où, comme on dit, il faut se mouiller dans la vie, Faut suivre ses pulsions. Catherine Marmas, seulement 13. Hein. Oui, alors c'est son souchou, ça c'est incontestable. Moi j'aurais pu être séduite par son sourire, ce qu'est-ce que vous avez fait à vos dents ? Baradin ? Je peux regarder ça. C'est baradin, non ? Hey, mais il y a des maquilleuses en fait, c'est du maquillage. C'est justement, c'était pour faire le côté l'animateur, un petit peu pour pas citer un animateur français qui est un petit peu comme ça, qui travaille sur, je vais pas dire la chaîne, mais vous avez reconnu. Ah, voilà, oui, c'était oui. pour un peu plagier le côté la caricature de l'animateur télé. C'était bien de le demander. Bah, c'est pour ça qu'il a eu 19 de Fabrice, il l'a reconnu. C'est l'animateur de Téléachat, quoi, voilà. Caricatural. Voilà. C'était sympathique, mais je trouve que c'est pas énorme du tout. Non. 13 seulement alors. Oui, 13. Jean Benguigui. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'inventions. Ça me... Il y a le catalogue, c'est comme le catalogue des objets introuvables, ou comme faisait Pierre Dac avec l'eau en poudre, des choses comme ça. Quoi. C'est la tradition pataphysique du comique français. Il a fait très bien. Moi, ce qui m'a fait... Je trouvais l'idée du téléphone qui est dans l'oreille, qui fait tomber dans son oreille, je trouve ça formidable. Ça, c'était très drôle. Je trouve ça très, très drôle. Et il y a plein d'autres choses drôles, avec beaucoup de charme. Et je trouve qu'il s'affirme de plus en plus, et je le soutiens. Voilà. Bon, ça va. 19, 13, 15, 14. Merci. Bonne chance pour le Prime vendredi prochain, Artus. Ça vous fait pour l'instant 61 points. Merci.